scène épouvantable, on s'est dit des horreurs. J'ai préféré m'en aller. Je vous ai réveillée. Non, c'est pas grave. Venez, on va dans la cuisine. Ça a commencé à propos de l'argent. Il a cru que c'était mes parents qui l'avaient avancé. Mais moi, j'avais pas eu le temps de les prévenir. Alors, il a fait toute une salade. J'ai dû lui dire que c'était vous. Il s'est mis en colère pour ça? Oui. Enfin, non. Ça, c'est un prétexte. Le problème, c'est qu'il va très mal. Il fait une dépression, il dit qu'il réussira jamais. Qu'il a tout raté. Que je l'écrase. Que c'est moi qui l'étouffe. Ça, il est culotté, quand même. Je vais divorcer. Mais vous réalisez comment vous allez faire? De quoi vous allez vivre? Toute seule avec un enfant, vous imaginez ce que ça représente? Vous croyez pas qu'on peut refaire sa vie à 30 ans? Je crois que je vais monter à Paris pour quelques temps. Vous avez pas envie de venir avec moi? J'ai envie de vous embrasser.